tous, ici Abrasion pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Sensei Legend of Justice. Alors effectivement, il n'y a pas le retour ici, tout simplement parce que c'est une petite intro. Je vais aujourd'hui vous montrer les différents livres, en fait les trois premiers livres, le chemin. Donc ça sera des extraits de mes lives, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager la vidéo si elle vous a plu à la fin. N'hésitez pas non plus à checker la description et puis bonne vidéo. C'est chiant le temps des mémoires, mais bon. Faut que je cible quoi? Tac. Oh, c'est les prêtres. Bon bah allez hop, on est parti pour se faire les derniers prêtres, il y a un hop là. Bonjour. Je suis content, c'est printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire, tulipaine, tulipaine. Je me balade la tête en l'air. Les coffres, on prend toujours. Non, c'est pas la peine, t'es pas un prêtre. Ah, je vais te bloquer quoi qu'il arrive, donc allez hop. On va se faire le guerrier. Voilà. Ah, j'adore bien le faire quand même. Ah, la vidéo que je viens de charger pour ce soir est chargée. Hop, un petit magicien qui passe. Et qui trépasse. Oh! Aventure, c'est bon, j'ai fini. Ouais, je peux aller direct. Ah! Yeah, ça nous fait de la vocation! On va pouvoir aller se faire d'un peu de la vocation, ça va être génial! Les gens qui commencent à se rendre compte sur mon Discord que les pierres violettes, c'est difficile à avoir. Oui, 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 c'est très difficile à avoir. Tout le monde commence à être en galère de pierres violettes parce qu'on est tous plus ou moins maintenant à peu près au level 140-160 sur le Discord. Que ça soit les free-to-play ou les pay-to-win, on a à peu près réussi à avancer au même niveau. Ce qui fait que, bah oui, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué les pierres violettes. 6000 pour passer de 140 à 141. Et j'ose même pas regarder combien il faut pour passer de 160 à 161.
Ça me fait penser que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de code. Surveiller reward, je m'en souviens pas. Yes! Tac, et on va prendre là-dedans. Dans 37 fragments, j'ai 5 étoiles. Oh, GG! Espérons que t'aies quelque chose de bien du coup. Alors, il faut que je chope le dragon noir. Oh! Ton reroll est vraiment pas dégueulasse. Hein. Allez! Pas mal ce code, merci. Pourquoi quel code j'ai pas vu passer? Ah ouais, je l'avais pas vu passer. One way gift. Oh, bah écoute, je finis ça et je vais le chercher direct. Il faut que j'en trouve le dragon. Dragon noir, dragon noir. Là on a Iki, je peux passer à côté. Là, on a un Andromède noir, je vais le taper pour aller voir ce qu'il y a en dessous. T'as eu du potion noir. Ah, bah écoute. Je me laisse sur le côté One Week Gift. Lightning Bolt! J'ai eu Iki 5 perso. Oh! Eh, hey, soyez contents, ça va vous faire booster de façon conséquente quand même les éveils, hein. Dans un sens, toujours voir le bon côté des choses, vos éveils vont être bien boostés, là. Bon, à la recherche du dragon noir. Ah, c'est un phénix noir, donc je m'en fous. Allez, on va taper ce phénix noir là. Il est peut-être derrière. J'ai eu Misty. J'ai Liloli. On prend au pif. Un phénix noir, on va taper dessus, il y a peut-être le dragon noir derrière. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'il y a le dragon noir, hein. Je ne suis même pas sûr qu'il pop à chaque fois. C'est problématique. Alors du coup, on a quoi avec ce magnifique code du One Week? Boucle d'oreille GG. Elles vont t'aller à ravir, tu vas voir. Non, c'était pas par ici. 60 trucs pour les... Oh, GG! Ah, oh, si je pouvais avoir soit mon Saga, soit mon Athéna, soit mon Aldébaran, soit mon Aliolia, oh, je serais content. Ça serait quali. Allez, dragon noir, t'es où? T'es pas le dragon noir. Vous avez pas vu le dragon noir? Phénix noir, donc je m'en fous. Oh là 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 là. Vous avez pas vu le dragon noir? Phénix noir, donc je m'en fous. Bon, j'ai quand même défié parce qu'on va essayer de voir. Oh, puis après tout, je veux bien récupérer tout le stock d'Aldébaran. Hein. Comme je dis, je suis le seul à le vouloir. Merde, on pourrait me le donner quoi.
Ah la vache, où est-ce qu'il est ce foutu dragon noir? Ah, puis ça c'est aussi. Ça aussi c'est buggé avec le temps. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas forcément des plus ergonomiques leur truc. Là c'est le phénix noir, donc je m'en fous. Là on a un phénix noir, on va le taper parce que de toute façon il faut bien en taper un des deux. Si je chope, Ed, je te le passe direct, c'était toi. Bah ouais, moi il faudrait le passer, c'est pour le passer 9 étoiles que j'en ai besoin. Encore un phénix noir, et moi je cherche un dragon noir. Ta gueule. Dragon noir, où es-tu? J'ai besoin de te taper dessus. Oui, je suis poète à mes heures perdues. Et bim bam boum, je leur mets dans le. Trouver une rime qui se finit en U. Dans leur poilu. Mais en vrai, ils sont quand même assez généreux hein, dans le jeu pour l'instant. Je précise tout de suite. Au moment où je fais mon live, ils sont assez généreux. Hein. On a quand même pas mal de diamants. On a quand même pas mal de codes cadeaux. On a quand même pas mal de choses. Hein. C'est. Ah, punaise. Ah, ils vont me faire le coup de pas mettre le dragon noir dans la zone. Hein. Il y a quelque chose après? Ah merde, il y a un passage. Ils vont me faire le coup de pas mettre un dragon noir. Dragon noir, oui! Ah bah voilà, je l'ai trouvé! Comme ça, j'ai fini toutes mes quêtes sur ce chapitre-là. Plus qu'à aller battre Ricky pour finir le chapitre, et c'est bon. Oh, j'ai de la vocation, les amis! On va aller taper Ricky. Ah non! Il y avait un coffre, tant qu'à faire, autant prendre le coffre. Deux pierres d'éveil, ça se prend toujours. On va aller taper Iki, c'est bon. Hop là! Et yo, Kiev, comment ça va? Yes. On va se faire ce chacun, je crois que j'avais pas, je l'ai pas jamais fini. Allez, c'est parti. Non, tac, tac. Je pensais l'avoir fini, mais non. Moses 7777, bienvenue à toi. Ça vaut le coup de monter ici, absolument. Et bienvenue à toi sur le live. Oui, absolument. Misty est une pépite. C'est-à-dire que si tu regardes la tier list que j'ai faite, ma propre tier list que j'ai faite dimanche. À mon sens, Misty est une SS. On parle quand même d'une unité qui soigne quasi autant qu'Athéna, qui a la possibilité de mettre un bouclier et qui tanque. C'est limite si elle te vient pas te servir ton petit café et te le mettre dans la bouche.
Elle sonne plus qu'Athéna? Non, par contre, non. Elle sonne pas plus qu'Athéna. Toi, c'est parce que ton Athéna doit être moins haut level que ta Missy, donc dans ce cas-là, oui. Mais dans les faits, Missy soigne moins qu'Athéna. Athéna, c'est celle qui heal le plus, pour l'instant. À niveau égal, éveil égal, et ainsi de suite. Je précise. Tout en égalité, elle soigne. C'est Athéna qui soigne le plus. Ils n'ont pas le temps de mettre une spé dans mon équipe. GG. Si ton équipe est assez rapide pour empêcher l'adversaire de mettre leur ult, c'est GG. Ah, l'inverse! Ah! Moins bon! Avec l'équipe que je t'ai envoyée. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment que t'as un problème. Bah, il faut que tu arrives de toute façon. T'es sur la zone à 1, 2, 3 soleil. Il va falloir que t'arrives à renvoyer encore et encore à refaire le même combat. Jusqu'à ce qu'il y ait Algol qui loupe sa pétrification. Ou du moins qui te pétrifie pas les bonnes unités. Voilà. Là, c'est littéralement, t'es sur une zone de chance. C'est-à-dire que même si j'allais avec mon équipe là actuelle, l'adversaire a beau avoir des unités qui sont beaucoup moins haut level, il arriverait potentiellement encore à me battre. Voilà, on en est à ce niveau-là. C'est la RNG pure, ouais. Avec l'équipe 1, 2, 3 soleil, c'est de la RNG pure. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de faire la... C'est justement... Je suis en train d'essayer de monter cette équipe-là dans... Enfin, c'est du contrôle et c'est même pas de la RNG parce que plus il monte en level, moins la RNG, elle... Elle a une influence dessus. Mais c'est un ultra contrôle et c'est pour ça que dans le... Dans ma partie challenge, je suis en train d'essayer de faire cette équipe-là. Je peux t'envoyer le stuff que j'ai mis, pas de problème. Tu peux m'envoyer ce que tu veux. Le Discord est fait pour ça. Et bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le like d'ailleurs. Hop. Alors le jeu, alors si les développeurs du jeu me regardent, on sait jamais, on peut toujours espérer. Surtout ce truc là des livres, il faudrait que la caméra soit plus haute. C'est injouable sinon. C'est vraiment imbitable le plus total. Hein. C'est. Ils ont voulu faire plus joli, plus propre que AFK Arena, c'est bien mignon, mais. Non, là c'est imbitable. On clique pour avancer d'une case ou deux. Donc on est obligé à chaque fois de cliquer, mais c'est long, chiant, fastidieux. J'ai oublié mon câble. Donc je vais aller chercher après.
long, chiant et fastidieux, et c'est pas adéquat, c'est pas agréable. Bon, le temps que le combat se fasse, je vais chercher mon câble de rechargement, j'arrive tout de suite. Re les amis. Oui, le jeu est très gourmand. Et le jeu me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Hop. Hop. On passe le casque en dessous. Voilà. D'accord, Viti, je finis mon book et je regarde ça tout de suite. Tac. Fais attention au bœuf. Lorsque l'ennemi utilise pour la première fois, non, vaut mieux essayer d'avoir un poison. Chacun est quand même excessivement costaud. Ah, il y a un petit coffre là, toujours bon à prendre. Et on est parti se faire le chacun. Qu'on va défier avec cette équipe-là de base. Yes, ça va passer. Yes!